Salut tout le monde, c'est Captain Biceps et aujourd'hui on se retrouve sur The Legend of Zelda Twilight Princess pour l'épisode 6 ou 7. Oui, l'épisode 7. Non, ouais, c'est ça. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7, les amis. Voilà, donc la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on était chez les Gorons et tout. Et on est allé voir le chef vite fait. Sauf en fait, sauf qu'il veut rien nous dire et tout. Enfin, il veut pas qu'on l'aide et tout. Donc, du coup, c'est assez embêtant. Et après, en visitant le village des Gorons et tout, on est tombé sur un passage secret qui nous a téléporté dans les bois perdus et tout. Et en fait, bah là, du coup, on était en train de visiter les bois perdus la dernière fois. Donc là, nous allons continuer. Voilà. 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 Donc là, c'est les bois sacrés. What the fuck, cet endroit. Enfin, c'est le boss qui est sacré, je crois. C'est ça le nom. Ah bah tiens. Ah, salut Saria. Tiens, on voulait te parler justement. Salut. Je t'attendais, Biceps. Nous sommes ici dans le bosquet sacré. C'est mon jardin secret. J'ai le sentiment que cet endroit sera très important pour nous deux, j'en suis sûr. Joue de l'ocarina ici et tu pourras parler avec les esprits de la forêt. Veux-tu jouer de l'ocarina avec moi? Ouais, bien sûr. On va prendre notre temps. Essaye de suivre cette mélodie. Ouais, je suis prêt. Alors. D'accord. Bon, c'est pas trop dur. Bon, bah, on a appris une nouvelle mélodie, les amis. Alors? Bravo, bravo! N'oublie jamais cette mélodie, tu me le promets? Ouais, bien sûr. Entonne le chant de Saria si tu as besoin de me parler. D'accord. Bon bah, on a un téléphone. Ok. Vous apprenez le chant de Saria. Ok. Vous avez vu? Il s'allume quand on va dessus? Ah non. J'essaye des morceaux, les amis. Voir si ça fait quelque chose. Non. Non. En tout cas, il avait l'air de réagir à la musique, le chef des Gorons. Ouais, c'est un peu flippant ici, quand même. Nous, on a quoi comme morceau? Le chant de Saria. Ouais, d'accord. Bon. Bon, on va grimper. C'est plus rapide comme ça. Bon, maintenant faut qu'on retourne là où on était avant quand même.
Wouhou, qu'est-ce que tu me veux? Saria t'a-t-elle appris? Oui. Oui, je sais tout ça. Oui, je sais, je sais. Oh, il est chiant, lui. Je sais tout ça. Ah, il gonfle avec ses tutos, lui. Ah, comment je... Oh non! Je vais pleurer, les amis. Je vais pleurer, c'est bon. Je pleure. J'essaye de retourner là je Goron. What? Eh hey, mais j'avais pas vu ça. Bonjour. C'est terrible, je l'ai déjà oublié. Donc, ok. J'oublie tout le temps. Tu connais le chant de Saria? Alors soyons amis. Tiens, prends donc ceci. Super! Bon bah merci mec. Bon bah... Bon bah voilà. Les bois perdus. Ah ça téléporte ça. C'est ça ou ça? Non d'accord. Oh non, je dois tout me retaper. Je pleurais les amis. Bon. Ellipse. Re les amis, bon on n'est pas encore arrivé mais là il y a un type bizarre et j'ai envie de lui parler. Alors les gens me dégoûtent, mes parents me dégoûtent, ta petite tête me dégoûte. Ah ok. Ok. Ok bon je sais pas qui c'est ce type, il est bizarre. Vraiment. Chelou. Ce type c'est la première fois que je voyais donc c'est pour ça que j'ai décidé de lui parler. Donc là les amis bah on monte tranquille. Et puis voilà. Hop 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 hop. Allez.
Je me demande si le champ de Saria va marcher. Voilà. Voilà, one shot. Ça marche bien ça. Ah non, c'est pas vrai. Bon, voilà. Voilà. Allez, c'est reparti. Wow, 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 wow. Doucement, doucement. Elle fait peur, cette boule qui roule là. Hop. Donc là, on va retourner voir le chef Goron. Et on va tester le morceau de Saria sur lui. Parce qu'il avait l'air de bien aimer la... l'ocarina. La dernière fois, elle avait un peu réagi quand même. Bon, ça par contre, le fait que ça bouge, faut pas trop à quoi ça sert. Bon. Ouais, il parlait d'un truc... il voulait un truc plus rythmé, un peu... Et il parlait d'arbres et de forêts, je sais plus quoi. Hop. Donc là, il va dire... C'est notre problème. Ok. Maintenant, je vais te jouer le petit morceau des familles. Faudrait que j'essaye de trouver d'autres fragments de cœur. Donc alors, c'est... Ok. Non. Zut. Voilà. Là, je pense qu'il va réagir. Alors ? Wow. Ok. Wow, d'accord. J'aime bien. Hey ! Oh ! Plus fort la musique. Allez, donne-toi, ça balance. C'est chaud. Quel rythme. Waouh. Ok. Yeah. Yabada. Ah, c'est ça la chanson. Ah. Ma déprime vient de s'envoler. J'ai eu tout d'un coup envie de danser comme un méga dingue. Mon nom est Darunia. Je suis le chef des Gorons. Mais on te voit pas. Pardon ? Tu veux la pierre ancestrale du feu ? Ben voyons. La pierre ancestrale du feu est notre trésor secret. Nous l'appelons le rubis Goron. Ouais, mais j'en ai besoin, mec. Mais si tu le veux vraiment, tu pourrais peut-être nous rendre un service. Peux-tu détruire les monstres de la caverne d'Ondongo? Ouais. Ainsi, nous aurions de quoi manger. Je suis prêt à donner n'importe quoi à notre sauveur. Même la pierre ancestrale. Tiens, prends déjà cet objet. Il te sera certainement utile. En l'utilisant, même un petit gars comme toi pourra déraciner des choupetteurs. Avec A. Merci. Vous pouvez désormais soulever les choupetteurs. Ok. Bon. Ça me perturbe la caméra qui s'est mise comme ça. Bon bah il a bien aimé le chant de Saria on dirait. Ok. Donc je peux arracher Choupetteur moi-même maintenant. Oh. Oh.
Waouh, 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 waouh. Ah, je pourrais le jeter là-dedans, mais... C'est que tant que le truc pète... bon, d'accord. Y'a pas des caillasses dehors par hasard. Ah bah tiens, un petit choupetteur. Non, raté. Allez, raté. Je suis sûr qu'il se fasse un truc si je le mets dedans. J'aurais jamais dû activer ce truc. Et... Mais non, ça veut pas. Bon. Bon, bon, bon. On va. Loin. Allez. Allez, allez. Allez. Oh non, c'est pas vrai. Bon, c'est bon, j'en ai marre. Ça m'a saoulé, j'arrête, c'est bon. Stop. Ça va 5 minutes, c'est bon. Ça va. Je veux bien que ce soit compliqué, mais là, c'est bon, je perds mon temps en plus. Bon, sinon, je peux tenter de faire ça en off, les amis. On verra bien. Alors, bon. On se casse ici. On se casse. Je reste ici pour faire l'ombre au choupetteur. Ouais, c'est mon boulot à moi. D'accord. Tu veux me poser une question? Ouais, caverne d'Odongo. As-tu vu l'entrée d'une caverne sur ton chemin? Eh bien, c'était la caverne d'Odongo. Comme il n'y a que très peu de lumière là-dedans, les choupetteurs poussent comme du chi. Pas ce boulot, le mec il est payé pour faire de l'ombre. Faut que je lâche ça. Oh, et c'est joli ça, vous avez vu? Voilà, ça c'est fait. Bon. Bon bah, je sais pas comment on peut l'avoir ce fragment cœur. Ah. Si je jette le choupetteur là-bas. Fou, mais à un point. Bon, d'accord. Mais par contre là, et l'autre entrée là dessus où il y a la fille. Enfin, je pense pas y aller aujourd'hui, mais j'aimerais. Ok. Hey. Hey, mais y a un truc là. Ouais, c'est ça.
Ah, et on a le maximum de rubis qu'on peut avoir. Apparemment. Bon. Apparemment, ils ont dit qu'il y avait une fée. Ah, c'est... Bon, je pense qu'il faut que j'attende d'avoir une bombe, les amis. Donc ça, je le ferai plus tard. Oh, ils font un de ces bruits. Oh. Voilà. C'est quoi? On dirait la terre fraîchement retournée. Ok. Bizarre. C'est glauque. Ça fait comme le dernier épisode, c'est un peu glauque. Caverne Tondongo. Wow. C'est là qu'ils vont chercher leur bouffe. C'est effrayant. La vache. Ah non mais... Je me suis trompé de chemin. En même temps, sa caméra, elle arrête pas de... Prends garde aux nombreux puits de lave. Ouais. D'accord. Il va falloir que je change les objets que j'ai. Pas le dégommer apparemment. Donc là c'est la lave en bas. Ça c'est évident. Ok. Ah voilà, c'est avec le choupetteur qu'on peut étudier, je pense. Bon, c'est peut-être un peu trop loin. Ouais, c'est un peu trop loin. Bah, là, ça devrait marcher. Sinon, ça marche pas, peut-être. Ah bah si. Il y a du loot. Oh, wow, wow. C'est pareil cette caméra. Allez. Allez. Je me rends, laisse-moi partir et je te vends un bouclier Mojo pour... Ah, c'est ça. Ouais. D'accord, espèce de lâche. Bon alors. On va explorer ce côté, les amis. Voilà. Hop. C'est bon? Ah, attends. C'est quoi? Qu'est-ce que nous avons là? D'accord, la carte du donjon. D'accord, c'est cool. C'est cool.
Les pièces en bleu sont celles déjà visitées. Votre position actuelle est... Ok. Ok, d'accord. Tout ça, on sait. Patati patata, merci. Ah, il faudra aussi qu'on trouve toutes les scutulas d'or, un de ces quatre. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est que... Raté. Allez, tu vas péter. Et... Voilà, ça c'est fait. Voilà, ça fait une porte d'entrée. Et je crois qu'il y en a une autre là-bas. Ouais, c'est ça. D'abord. Il y a deux pièces là. Après, il y en a peut-être une, c'est juste un coffre. Ah, d'accord, ça a pas pété. L'œil de cette statue perce le mystère de votre esprit. J'ai jamais compris comment ça marchait ces trucs. Je sais que ça aide des fois quand on est bloqué, que ça peut montrer des trucs, mais j'ai jamais compris comment et pourquoi. Enfin, jamais compris comment, voilà, c'est tout. C'est déjà suffisant. Ah, c'est glauque. Ils sont mignons, ces monstres. Ah oh. Ah, c'est... D'accord, ils brûlent. Ah, d'accord, il n'y a pas de... Ok, donc ça... Dans... Wow. Ah. Ah, par contre, ils font mal, hein. Qu'est-ce qui se passe si je vais appuyer là-dessus? Et si je m'enlève? Ok. Ah, il y a des statues! D'accord. Ah, d'accord, ça se pousse. D'accord. C'est un peu lourd. Avec un peu de chance, ça peut se mettre dessus. Oui, de toute façon, c'est ça. Dans les Zelda, ils ont gardé un peu les... Ils ont un peu gardé les mêmes mécanismes depuis toutes ces années. Bon, c'est normal, hein. Je leur blâme pas. Je suis max Ruby là.
Hein? Ah d'accord. J'ai mal. Aïe. Aïe, oui. Mais non, mais j'en fous des rubis. Je veux de la vie. Le problème c'est qu'ils font des coups derrière et... Ok. Bon, je sais pas où on va mais on y va. Mais c'est comme tout à l'heure, mais c'est en plus gros. Ah, d'accord. Ah, ils aiment pas ça. D'accord. Ils aiment pas ça. Ah, ouais, ils aiment. Ils aiment pas quand ils frappent derrière. Hein. Ok, ça explose. Waouh. Peut-être se laisser bientôt, je pense. Ok. Ouais, on va peut-être. On va juste ouvrir une porte. Voilà. Alors, sous. T'es le plus fort, je vais te vendre des bâtons. Bonjour, tiens. Allez. Ok. Voilà, de toute façon j'ai trop de thunes donc faut bien que je fasse quelque chose. Bon bah... Je pense qu'on va cesser là pour aujourd'hui les amis. Parce que là ça va faire... Ça fait un petit moment que je tourne. Bon après... Après il va y avoir des ellipses quand même, mais bon. Alors je vais peut-être un tout petit peu plus loin. J'ai l'impression qu'ils deviennent de plus en plus gros, plus on va loin, plus ils deviennent gros ces monstres. Enfin, parce ils ont la même apparence que les petits poissons là. Ah d'accord. Wow, wow. D'accord, donc là il faudrait qu'on débloque quand même. Je vais peut-être faire ça avant la fin d'épisode quand même. Je vais faire ça avant la fin d'épisode quand même.
Hop. Voilà. Ouais, faire ça, j'ai allumé toutes les lampes pour au moins. Ah voilà. Bah voilà. On va peut-être aller de l'autre côté quand même, allez. Hop. Hey. Mais c'est l'endroit de l'autre fois. Hey, hey. Et si je m'enlève? Donc j'ai ouvert une porte là-bas. Et donc du coup, c'est là où il faut qu'on aille. Ah oui, voilà. Bon bah parfait. C'est cool ça. Bon bah génial. C'est cool, c'est cool. C'est quand même... Je me demande ce que c'est que ce crâne. C'est quand même flippant comme point. Hein. Quand même. Bon bah voilà les amis, c'était la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Voilà, donc merci à tous et à la prochaine. Allez, ciao les amis.